وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الناس الله تبارك وتعالى دي قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc cette sourate, comme l'autre, Allah Ta'ala dit de dire, donc dit, je prends protection auprès du roi des hommes, leur créateur, leur possesseur, subhanahu wa ta'ala, leur souverain, du roi des hommes et du dieu des hommes, subhanahu wa ta'ala, leur divinité. Al-Ilah, c'est celui, subhanahu wa ta'ala, à qui on vous dévotion, subhanahu wa ta'ala, par amour et par vénération et en lui donnant de la grandeur, subhanahu wa ta'ala. Min sharri al-waswas al-khannas, contre le mal du waswas, c'est les insufflations, les mauvaises idées, les idées qui sont insufflées. Et ce waswas, il peut être fait par le shaytan. Ici, il parle du shaytan, car min sharri al-waswas al-khannas, al-khannas, c'est celui qui s'enfuit, celui qui se retire. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan il vient sur le cœur de l'être humain, il lui insuffle les mauvaises idées. Quand il évoque Allah, il se retire, yakhnissu. Quand il arrête d'évoquer, il revient, yuaswissu. Il revient insuffler les mauvaises idées. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que quand on fait l'appel à la prière, un shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et quand on arrête de faire l'appel, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Quand on fait le deuxième appel aussi, il s'enfuit. Et quand on commence la salat, il revient et il essaye de nous déconcentrer, de nous faire rappeler les choses qu'on a oubliées dans la salat. Donc c'est comme ça. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, quand on prend protection auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre lui, il s'enfuit. Mais dès qu'on est dans l'insouciance, dès qu'on arrête d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on ne demande pas protection à Allah tabarak wa ta'ala contre son mal, alors il revient nous insuffler ses mauvaises idées. Ses idées, ses mauvaises idées, ses insufflations. Ah. Et le fait qu'ici on demande la protection contre le shaitan, car c'est lui la base de tout mal et la base de toute tentation. Car c'est lui qui vient insuffler dans le cœur des gens pour leur donner des idées de faire des mauvaises choses. Et c'est lui qui leur embellit le mal. Na'udhu billahi min. Et c'est lui qui leur montre le mal sur une belle image. Et c'est lui qui les motive pour justement le mettre en pratique. Et c'est lui qui leur enlaidit le bien. Et c'est lui qui les affaiblit et qui les démotive et qui leur insuffle d'être fainéants au fait de faire du bien. Et qui leur montre l'image du bien sous une mauvaise image. C'est des caractéristiques qui lui sont propres. Yuwaswisu wa yakhnissu. Yuwaswisu wa yakhniss. Il insuffle et il s'enfuit. Il insuffle et il se cache et il s'enfuit. Alors quand Allah Ta'ala dit, je prends protection auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu ou la divinité des hommes, contre le mal de celui qui insuffle et qui s'enfuit, qui se cache, donc il parle de Shaitan. Car ces deux caractéristiques sont le caractérisent très bien. Car c'est ce qu'il fait toute la journée, c'est ce qu'il fait avec tous les hommes, et c'est comme ça qu'il essaye d'appeler les gens pour qu'ils soient parmi les gens de la Jahannam et de l'enfer. Non. Donc c'est pour ça qu'il convient à l'être humain de prendre aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et de demander protection à Allah tabaraka wa ta'ala par sa seigneurie, car c'est lui qui justement qui est le seigneur qui régit tous les hommes subhanahu wa ta'ala et toutes ses créatures. Et toutes ses créatures, elles sont sous sa seigneurie, sous sa volonté, sous sa direction, sous son pouvoir subhanahu wa ta'ala. Naam. Et c'est lui, comme Allah Ta'ala dit, c'est lui qui tient tout être vivant par son toupet. C'est-à-dire, c'est lui qui les dirige, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on prend protection par l'uluhiyya, la divinité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car c'est ce pourquoi il a créé les hommes et les djinns. Donc, on prend protection auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Dieu des hommes. Et ça ne peut se faire, le fait de vouer une culte pure et un monothéisme pur à Allah seul, ça ne peut se faire que en demandant à Allah tabarak wa ta'ala de nous protéger contre notre ennemi, celui qui veut justement nous couper de cet objectif pour lequel on a été créé, d'adorer Allah seul, et qui veut nous pousser
vers le polythéisme qui veut nous éloigner de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et unique. Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, donc celui qui insuffle dans les poitrines des gens, puis min al-jinnati wan-nas, parmi les djinns et les hommes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, les shayatin, les satans, ils sont parmi les djinns et ils sont parmi les hommes. Le satan parmi le djinn, tu dis a'udhu billahi minash shaitani rajim, tu demandes protection à Allah ta'ala contre lui, tu invoques Allah, il s'enfuit. Mais le satan parmi les hommes, il est là. Tu peux dire le dhikrullah, tu peux dire a'udhu billahi minash shaitani rajim, il est toujours là pour t'embêter. Et parfois, les satans parmi les hommes sont plus nocifs et plus dangereux que certains satans parmi les djinns. Qui sont ces satans parmi les hommes? Le mauvais compagnon. Celui qui vient pour te donner des mauvaises idées. Pour t'insuffler de penser du mal de tes frères musulmans. Pour t'insuffler de faire l'illicite. Pour t'insuffler de le suivre dans le péché. Pour t'insuffler de le suivre dans la bid'a, dans l'innovation, etc. etc. Non. En ce qui concerne ces trois sourates, ces trois chapitres du Coran, ils ont une spécificité. Cette spécificité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait à plusieurs moments de la journée et de la nuit. Et comme on nous avons dit tout à l'heure, auparavant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Allah ta'ala protection contre le mauvais œil des djinns et le mal des djinns et des hommes. Mais quand Allah ta'ala a révélé les deux dernières sourates du Coran, Al-Maw'idhataini, alors il s'est accroché à elles et il a délaissé tout le reste. Donc il y a des moments, barakallahu fikum, pour les réciter. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent car ils sont touchés par le mauvais œil, par la sorcellerie, par un djinn et je ne sais quoi d'autre. Mais subhanallah, ils ont délaissé la wasiyya d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ordre et le conseil qu'Allah nous a donné. S'il a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de prendre protection auprès de lui, auprès d'Allah, contre ces mâles-là, qui est le meilleur des hommes, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment nous, on peut se permettre de délaisser cela? De délaisser le fait de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça tout le mal. C'est quand l'être humain pense qu'il n'a pas besoin d'Allah. Quand l'être humain ne revient pas à son créateur pour lui demander protection contre le mal. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'on a devant nous et derrière nous des anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il n'y avait pas les anges, que par la grâce d'Allah, par la permission d'Allah qui marche avec nous dans les rues, les shayatines, ils nous attraperaient, ils nous tireraient dans les rues. Mais on ne voit pas la protection d'Allah Ta'ala sur nous. Que si cette protection elle est levée, Wallah et mes frères, on ne peut pas ne serait-ce que vivre une seconde, un instant. On est toujours entouré par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, la communauté elle a délaissé ses manières de se préserver. Et après, elle court derrière des créatures pour leur trouver une solution. Qui d'entre nous récite constamment les trois dernières sourates du Coran après chaque prière, avant de dormir, même quand on le récite? Est-ce qu'on le récite en étant le cœur présent ou bien juste comme ça? Car il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit « Certes, Allah n'accepte pas l'invocation d'une personne qui a un cœur insouciant » dans un hadith sahih. Donc, les réciter sans méditer à leur sens, sans avoir le cœur présent dans leur récitation, c'est bien, tu as la récompense. Mais la demande que tu as faite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas exaucée car tu ne l'as pas demandé avec un cœur présent. Tu l'as demandé avec un cœur insouciant. Parmi les moments où il faut réciter, la manière de réciter ces sourates, donc après chaque salat, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prières obligatoires, chaque salat obligatoire, il récitait Ayat al-Kursi et les trois qul, les trois dernières sourates du Coran. Et les trois dernières sourates, il les répétait trois fois après le Fajr et après le Maghrib. Alors que pour les autres prières, une seule fois. Aussi, avant de se coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les réciter dans sa main en soufflant et de se passer les mains sur son corps trois fois et de dormir. Quand il était malade, Aïcha radiallahu anha récitait dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui passait avec ses propres mains. Pourquoi elle ne l'a pas fait avec ses mains à elle? Elle a dit parce qu'il y a plus, inshallah, de baraka dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'elle récitait dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui passait sur lui. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ça, ce sont des choses simples pour se préserver du mal, du mauvais œil, du mal des satans, du mal des sorciers
Et c'est une chose qu'on a délaissée. C'est une chose qu'on a délaissée. On a vu tout à l'heure que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les deux dernières sourates ont été révélées, il s'est attaché à cela et il a délaissé le reste. C'est la base, barakallahu fikum, d'essayer de ne jamais délaisser la récitation de ces sourates après les prières obligatoires, avant de se coucher. Il y a un grand bien en cela. Aussi, avant de se coucher, de réciter Ayatul Kursi. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, son histoire avec le Satan qu'il a attrapé trois nuits de suite et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé. Ce dont il l'a informé, que celui qui lit Ayatul Kursi le soir, aucun shaitan ne pourra l'approcher et aucun mal ne touchera cette nuit jusqu'au matin. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas délaisser, barakallahu fikum, et faire constamment. Autre chose, une fois qu'une personne est touchée par ces malheurs-là, que ce soit le mauvais œil, que ce soit la sorcellerie, que ce soit un masque d'un djinn, pourquoi aller voir des êtres humains comme toi et comme moi? Cet être humain, à part lire la parole d'Allah, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Alors pourquoi tu ne lis pas toi-même la parole d'Allah sur toi-même? Et comme ça, tu feras partie des 70 000 qui entreront au paradis, bi-ghayri hisabin wala adab, qui entreront au paradis sans compte ni jugement. Car parmi ceux-là, alladhina la yastarqun, ceux qui ne demandent pas la ruqya aux autres. Il y a ikhtilaf sur ce lafd, ala kulli hal, c'est-à-dire qu'ils ne font pas les mauvaises incantations haram où il y a du shirk, ils ne demandent pas la ruqya, toute ruqya, et qui s'en remettent, qui mettent leur pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement et sans châtiment, alors, barakallahu fik, fais-toi ruqya toi-même. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont touchés par ces maux, que ce soit la sorcellerie, le mauvais œil, etc., ce sont des gens qui ont un da'f al-i'timad à Allah. C'est des gens qui ont une confiance faible à Allah, tabarak wa ta'ala, ou qui ont des péchés. Et du fait qu'ils ont des péchés, la protection d'Allah est levée sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Sauf si Allah veut, malgré que tu sois quelqu'un de bien, sauf si Allah veut t'éprouver, et il t'éprouve comme il a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est exceptionnel. Nous on parle du cas général. Le cas général, en général, les gens qui sont touchés par cela, c'est souvent à cause de manquements dans leur religion, à cause du fait qu'ils ont un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, c'est qu'après avoir été touché aussi, ils courent encore derrière les créatures. Ils courent de raqi en raqi, et le raqi vient lui parler de choses dans l'invisible dont il ne connaît rien. Tu as 10 djinns, 3 sont sortis, 5 en sont encore là, 3 sont en voyage. Ya barakallahu fik. D'où tu sors ces informations de l'invisible? Tu es un menteur. Wallahi l'azim, celui qui dit ça, c'est un menteur. Car il y a deux seuls moyens de connaître ça. Ou bien il a une révélation, donc s'il dit ça c'est un menteur, c'est un kafir. Ou bien il y a quelqu'un qui l'a informé sur l'invisible. Qui est cette personne qui l'a informé sur l'invisible? C'est le djinn. Est-ce qu'il lui est permis d'écouter un djinn? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le menteur c'est celui qui rapporte, qui répète tout ce qu'il entend. Alors tu entends un grand menteur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sadaqaka wa huwa kadhoub. Il t'a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Kadhoub sirat mubalagha. Grand menteur. Et les shayatins, c'est ce qu'ils font. Ils te disent une vérité sans mensonge, une vérité sans mensonge. Donc, ou bien tu mens, tu as inventé, ou tu prétends connaître l'invisible, donc tu es un kafir, ou tu prétends avoir la révélation, donc tu es un kafir, ou bien tu répètes ce que les shayatins disent, donc tu es un menteur. Il n'y a pas une autre solution. C'est impossible que quelqu'un il informe sur l'invisible comme ça. Ou bien il lui récite, ferme les yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on aura à faire? Qu'est-ce qu'il voit, barakallahu fik? Récite-lui, barakallahu fik. La récitation, c'est quoi du Coran? C'est comme la dua. Tu invoques Allah, tu intercèdes auprès d'Allah par sa parole. Par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a mieux que la parole d'Allah? Non. Donc, c'est le fait d'intercéder auprès d'Allah par sa parole. C'est tout, c'est rien d'autre. Abu Sa'id al-Khudri, il a fait avec la Fatiha. Fatiha, il a lu la Fatiha, c'est tout. En plus, la personne qui est touchée par ce malheur, il est beaucoup plus concerné que la personne qui lui lit. Allah Ta'ala dit, qui répond à l'acculé quand il l'appelle? C'est lui qui est dans cette situation, il est acculé. Donc c'est clair que quand il va invoquer Allah, il va le faire avec beaucoup plus de force que celui qui n'est pas touché par son malheur. Il va lui dire comme ça. Demander le kriya, c'est pas haram, mais c'est khilaf al-awla. C'est contraire à ce qui est le mieux à faire. Mais aujourd'hui, avec tous les charlatans qu'il y a, wallahi, la meilleure chose, c'est de se faire le kriya soi-même. Car même ceux qui disent ruqya shar'iyya, salafi, je ne sais quoi, il y en a beaucoup qui mentent. Il vient, il te parle de l'invisible, t'as tel djinn, t'as telle chose. Tout ça pour impressionner les gens qui viennent chez lui. C'est devenu une tijara, barakallahu fikum. Alors pour montrer, mashallah, que je connais bien l'histoire, il va te raconter des belles histoires. Comme ça, tu vas dire, lui, il connaît. Hein. Mashallah, il connaît le sujet. Et tu vas lui faire de la publicité. Si quelqu'un il te fait ruqya, tu veux lui donner quelque chose, il y a juz.
Comme Abu Sa'id al-Khudri, il a pris, il a conditionné de prendre, d'avoir un émouton. Mais pourquoi il a conditionné? Parce qu'ils n'ont pas voulu leur donner leur droit d'hospitalité. Mais si sans condition, quelqu'un il te donne quelque chose, tu fais ruqya, c'est halal, il n'y a pas de mal. Mais quelqu'un qui fait ruqya pour travailler, il en fait un cabinet où il gagne sa vie de ça, là les ulama contemporains, ils ont dit que ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et ils voient que c'est haram. C'est pas une chose avec laquelle tu gagnes, c'est-à-dire tu en fais ton travail. T'as un cabinet, tu le fais fisabilillah, les gens ils te donnent pas, d'accord. Mais faire ruqya pour cela, en faire des tarifs comme le docteur, avec, c'est affiché chez certains tarifs dans le bureau, c'est affiché comme ça, séance 30 euros, séance 50 euros. Il y en a même, ils prennent la carte vitale. J'ai entendu, il y en a un, ils prennent la carte vitale. Non, j'ai entendu ça. Je sais pas comment il a fait, subhanallah. Donc, à la kulli hal, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire de cette manière-là. Vaut mieux guérir le problème à la base. Pourquoi les gens sont aussi malades que ça? Parce qu'ils sont loin de la sunna. Parce qu'ils sont ignorants. Alors, moi, quand quelqu'un me dit, est-ce que tu fais ruqya? Non. Viens, je t'enseigne le din, c'est ça ta ruqya pour toi. Quand tu vas connaître ton din, tu vas le mettre en pratique, Allah va te guérir, bi'idhnillah. Car celui qui guérit, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vas apprendre le tawhid, tu vas t'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah va te guérir, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Wadih, inshallah. Je n'ai pas dit, attention, ne dites pas que j'ai dit que c'est haram d'aller demander ruqya à quelqu'un. Ce n'est pas haram. Mais les conditions d'aujourd'hui, les ruqats d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu vraiment quelqu'un, un raqi, qui il ne rentre pas dans ces affaires-là, qui fait ça vraiment pour aider les gens. C'est rare. Des vraies personnes qui font ça, c'est rare. C'est pas beaucoup. La majorité, maintenant, c'est devenu, machallah, un bon commerce. Et quoi qu'il en soit, c'est beaucoup mieux de se faire ruqya soi-même. Attache ton cœur à Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais-toi ruqya toi-même. Maintenant, une autre question par rapport à ruqya. Si quelqu'un emmène un raqi pour te faire ruqya sans que tu aies demandé toi, si tu acceptes qu'il te fasse ruqya, tu n'es pas rentré dans le hadith de celui qui a demandé ruqya, car c'est pas toi qui a demandé. Il est rapporté dans le hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril il est venu, il lui a fait ruqya, il lui a demandé ce qu'il avait et il lui a fait ruqya. Donc Jibril l'a fait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend toujours le mieux, le chef de ceux qui s'en remettent et le meilleur de ceux qui s'en remettent à Allah tabaraka wa ta'ala et qui mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un fait ruqya à une personne sans que lui ne l'ait appelé, alors il ne perd pas inshallah la récompense de faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment. De même que faire ruqya à quelqu'un pour lui rendre service, c'est une bonne chose. Si tu peux rendre service à ton frère qui est dans une difficulté, c'est une bonne chose. Mais profites-en pour lui faire un rappel, pour lui enseigner à lui comment se faire ruqya lui-même, pour lui enseigner à lui comment se protéger contre tout ce mal. Comme ça, inshallah, la prochaine fois, au lieu de venir pécher pour lui, tu lui apprends à pécher, c'est mieux. Il va lui-même pécher, pas les péchés. Hein. C'est un proverbe que tu apprends à quelqu'un à pécher plutôt que tu pêches pour lui à chaque fois. Une fois que tu lui apprends lui-même à se faire ruqya, tu n'as pas besoin de revenir une autre fois pour lui faire ruqya à chaque fois qu'il a des problèmes, mais il se fait lui-même. Si des gens dans sa famille, ils ont besoin, il va leur faire bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure des choses. Naam. بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما